Donc, sixième vidéo, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire les promotions après une mission plutôt pas mal. Donc, on va commencer à atteindre des grades intéressants. Réfléchir. Je vais donc partir sur la roquette perforante. Ouais, ça me fait une roquette de plus. Tir de suppression, ça m'intéresse pas trop sur le grenadier. Je la prendrai. Je crois que j'ai accès au tir de suppression sur le sapeur. Je le prendrai plutôt sur le sapeur. Là, je vais prendre la roquette supplémentaire. Alors, sur lui. Alors là, il n'y a pas photo. Je vais prendre les 3 soins par mission. 3 soins au lieu de 1. Ça c'est très bien. Et lui, eh ben lui donc ce sera un nouveau sniper. C'est parfait. Donc Amérique du Sud et Europe, panique en hausse. Japon, panique en baisse. Ok. Nous vous recontacterons, commandant. Donc pas de panique pour l'instant, enfin pas de panique. Ça va, c'est pas dramatique. Surtout si on considère que j'ai un satellite qui arrive. Voilà, je vais creuser. Là j'ai de l'argent, il n'y a pas de souci. Donc je pense que je poserai un satellite. Attends. En Argentine, aux États-Unis peut-être. Il faut que je privilégie les pays qui me donneront des ingénieurs. Là ils me donnent que des scientifiques. Peut-être l'Asie. Voilà, je sauve la France. Pour l'instant, je vais faire un intercepteur en France. Alors, Europe. Je vais commander un avion. Je vais commander un satellite. Là c'est bon. La recherche. Donc ça continue. Ok. Alors je vais passer le temps. Commandant, nos Voilà. satellites sont parés au lancement. Un On est prêt satellite à de les près. déployer à votre signal. Alors que choisir? La France, 80 de crédit en plus par mois, plus son scientifique. L'Argentine, les États-Unis. Je pense que je vais prendre les États-Unis. C'est quand même beaucoup d'argent. Allez, les États-Unis. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Du coup, il faudra que je transfère un avion en Amérique du Sud. Acquisition satellite visée. Faut que j'aille voir ce que c'est que ça. Oui. Il me semble que c'est l'objet qui me permet d'améliorer la visée de mes avions. Faut que j'aille voir. Alors, guerre expérimentale, je vais rechercher ça. Ou autopsie d'allumettes peut-être. Réfléchissons. Non, je vais rechercher guerre expérimentale d'abord. Ensuite,
Je vais envoyer un avion en Amérique du Nord. Je vais envoyer celui qui était prévu pour l'Europe. Je vais le transférer D'ici, vous pouvez en Amérique du transférer vos Nord. intercepteurs à d'autres bases, mais seulement si elles se trouvent dans un pays couvert par nos satellites. En répartissant notre flotte sur plusieurs continents, nous pourrons intervenir bien plus efficacement Alors, si l'ascenseur est nous presque retirons fini, des donc je vais quelque bientôt part. pouvoir construire les bâtiments qui m'intéressent. Ascenseur Parfait. opérationnel. Alors, il me fallait un atelier. Ouais, un atelier, ça me coûte 130. Je vais d'abord prendre le centre de formation. Ensuite, je vais prendre. Alors, j'ai plus d'argent. Je vais vendre quelques sectoïdes. Il me faudrait vraiment beaucoup plus. Combien il me faut au juste? L'atelier, c'est quand même 130, hein. Ça fait mal. Il me manque 71. Ouais, bah allons-y, de toute façon c'est très important. Je pense que j'en ferai qu'un atelier, après j'aurai assez d'ingénieurs par la suite. Un peu ruiné. Transfert d'avion satellite déployé sur les États-Unis. Alors, les soldats 2, 4, 6 soldats actifs. Deux sapeurs, deux snipers. C'est pas mal, hein, c'est quasiment l'équipe idéale. Enfin, l'équipe que je vais utiliser. Pas tout à fait, mais presque. J'espère en dégoter un commando de plus. Alors, guerre expérimentale, ça nous donne donc la fonderie et le canon Phénix, une nouvelle arme pour mes vaisseaux. Alors, on va continuer sur l'électroflux qui nous permettra de capturer les aliens vivants. Et mine de rien, on arrive à la fin du mois. Peut-être une dernière mission. Non. Réception d'une transmission. Nous sommes vraiment impressionnés par Voilà. les progrès Donc, du projet XCOM, tout va bien. commandant. 460 de revenus en Nos plus. résultats dépassent de loin les attentes du conseil. C'est Et pas mal ce du n'est tout. pas une chose qui arrive souvent. N'oubliez pas, nous vous observons. Ouais. Dans un jour, j'aurai D'après mon ce que centre de j'ai vu de leur formation. technologie, si les extraterrestres voulaient vraiment conquérir la Terre, nous ne pourrions pas faire Un grand-chose jour pour avant les le centre de arrêter. formation, Ils ça doivent va être avoir autre super. chose derrière la tête. 3 jours avant l'atelier. Bon, c'est parti. Voilà. Je vais faire un autre générateur tout de suite. Avec mon atelier, je vais regarder combien j'ai d'ingénieurs, si je peux faire. Non, toujours pas assez d'ingénieurs. Je vais attendre la fin de l'atelier. Caserne, centre de formation, escouade. On va passer à 5 soldats déjà. Voilà, un bon achat. Et là, je pense qu'on devrait avoir une mission bientôt. Ah, donc une commande de 2 scopes pour 57 de crédit. Ça coûte combien un scope? Ça
Ça coûte 16, bah donc on va en faire 2. Et tout de suite, on va les vendre. C'est petit gain, mais bon. Je dois prendre tout ce que je peux. L'atelier va se finir. Voilà. Atelier supplémentaire opérationnel. Du coup, je passe à 13 ingénieurs. Ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Je peux construire mon terminal de liaison. Donc dans 14 jours, j'aurai 3 satellites en plus. Là, je vais creuser. C'est là que je voulais creuser, en fait, voilà. Donc j'ai un satellite dans 6 jours. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Je vais en faire un autre. Un autre. Voilà. Et je vais tout de suite aller chercher de l'argent pour en faire un dernier. Ouais, sauf que là vraiment j'ai plus d'argent disponible. Donc je vais attendre. Donc ça me permettra de capturer les aliens bientôt. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les On va rechercher recrues sont déjà au travail. Pour une fois, je suis d'accord avec les allumettes. Nous avons Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'alien. Est-ce que j'ai une réserve? Ça, il m'en faudrait au moins un. J'aimerais bien en construire au moins un. Donc... Ça coûte pas cher, donc je vais faire l'effort. Voilà. Bon, voilà, on est reparti. Ok, donc intercepteur États-Unis, petit. Ça me paraît très bien. Cible en vue. Je vais même pas utiliser ma visée. Étant donné que c'est un petit, j'ai pas grand chose à craindre. Voilà, ça a été très rapide. Allez, on est parti. Là, je vais utiliser un rookie. Donc, scope, gilet. Gilet. Medikit. Grenade. Tout va bien. Va bien, ouais, il me semble que c'est bizarre que mon sniper soit que seconde classe. Je me demande si c'est vraiment le plus gros sniper que j'ai. Et non, c'est ça, j'en ai un beaucoup plus gros. Et je vais prendre celui qui est plus gros quand même. Je vais retirer le scope à lui. Je vais reprendre les. Voilà. Enfin, elle, exactement. Voilà, une équipe qui me va beaucoup mieux. Je me disais, il n'est pas très gradé. Là, j'ai 4 sergents. Et une recrue. Alors, c'est un petit ovni endommagé. Nous avons le site en visuel. Donc j'espère ne pas avoir affaire à trop forte partie. La zone d'opération est aux États-Unis cette fois. C'est aux États-Unis, donc ça va me baisser
La panique encore un peu. Ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité. Ça fait plaisir d'avoir 5 troupes dans sa. Est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Dans son unité. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Du coup, je sais pas par où faut s'approcher. Je vois pas où il est. Il doit être par là. Bon, je vais. Je vais chercher un abri par là déjà. Alors mon rookie qui va avoir la lourde tâche absolument de tuer un alien. Je veux une promotion. Donc tout le monde à l'abri pour commencer. Et j'attends. Ok, bon là c'est normal. Il se passe rien. Donc j'avance en me mettant bien à l'abri à chaque fois. Où est mon commando? Ok, elle est là. Faudra que je commence à personnaliser mes soldats pour pouvoir reconnaître en un seul coup d'œil les classes. Parce que là, ça va commencer à avoir de l'importance quand même. Et là, ils sont tous en marron, la crème. C'est pas pratique. Ah tiens, j'ai trouvé les aliens, ils sont pas là où je m'attendais à les voir. J'étais persuadé que c'était par là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo avant que l'action ne commence. Et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine.